Et donc, quand on dessine au pinceau avec cette broche diffuse, on a cet effet de superposition. Voilà. OK? Après, il faut éventuellement aller modifier ça en double-cliquant pour aller modifier les paramètres pour que ça ait l'air un peu plus naturel, notamment la rotation. Il y a des choses à faire au niveau de la rotation. Voilà, oui, tout de suite, si on modifie la rotation, on a un effet moins de répétition, en fait. Alors, on a moins cet effet de répétition qu'on avait avant. Si je décoche l'aperçu, vous voyez, clairement, il y a un effet de répétition. Et rien qu'en modifiant de manière assez forte la rotation par rapport au tracé, on obtient un truc plus aléatoire et sympa.